moi, c'est la vie. Ce que je vis au quotidien dans ma vie de tous les jours. Alors, la source d'inspiration, ça peut arriver à tous les moments. Ça peut arriver en jouant avec les petits-enfants, à la rencontre d'un légume, à la rencontre d'une odeur, avec un silence. Je crois que la vie a pleines dents et c'est ça mon inspiration. Le jeu, c'était de traduire peut-être un peu le rapport que j'ai avec la nature. On a voulu essayer de traduire, c'est-à-dire c'est des fleurs, c'est une ombre, c'est une lumière, c'est le jour qui se lève. Vous voyez, c'était ça un peu. Voilà, c'était un peu mais la vie telle qu'on la découvre et qu'on a envie de l'écrire au quotidien dans une assiette. On m'a raconté l'histoire de la famille Lavazza et j'ai trouvé qu'il y avait une belle histoire, qui avait des similitudes avec la mienne. Et bon, je me suis prêté au jeu parce que, bon, on m'a présenté les choses d'une manière tellement belle, réjouissante. C'est le jeu par rapport à une famille où je me suis retrouvé un peu, voilà. La plus belle tradition, c'est la tradition qui vit au quotidien, qui évolue et qui s'adapte à son époque, voilà. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment une richesse, un bonheur total.